Confrontation devant juge Walter Wessea Voltaire qui a instruit dossier assassinat président Jovenel Moïse la honte. Ancien chef USGPN Dimitri Erard, ancien chef USPA Jean Laguelle civil et ancien chef la police nationale d'Haïti Léon Charles. Et Léon Charles passe en pile devant juge Walter Wessea Voltaire. Qui j'en confrontation sa teye, qui sa qui passe? Nous prenons plus de détails dans un titan qui n'est pas trop long. Jusqu'à présent, les États-Unis ont essayé de forcer quelques autres pays pour rentrer dans la question de voyer une intervention militaire en Haïti. Mais pays ça yo yo campé sous brinding yo. Et après toute rumeur qui a circulé, comme quoi Joe Biden a décidé couper importation sucre sorti en République dominicaine pour rentrer États-Unis, eh bien, directeur général affaires dominicaines a déclaré, mesdames et messieurs, c'est Kounia, relation même ensemble avec États-Unis solide. C'est vrai qu'il y a quelques divergences, mais il y a travail, mais de la main. Et ceci veut dire que il y a travail, mais de la main avec ou sans Haïti. La police nationale d'Haïti frappée. Encore une autre fois, mesdames et messieurs, dans Delma 33, côté, yo mette en bas-corde trois jeunes garçons ensemble avec moi. Taloko ça, nous pourrons joindre plus de détails. Coucou tout le monde, bienvenue sur InfoSec, chaîne Information Noire avec Fabula Jean-Charles. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous rentrer la caillou ensemble avec rubrique Information ça. Bien avant nous aller plus loin, après temps pour nous dire merci. Ensemble avec vous-même qui like, qui commente, qui partage. Merci ensemble avec vous-même qui toujours invite vos familles ou vos amis à abonner à InfoSec pour capable toujours être connecté avec bon information. Jeudi, c'est mercredi 30 novembre 2022, dernier jour du mois de novembre, qui donc nous allons rentrer dans le dernier mois pour année 2022, a pas oublié poser tête aux questions. Qui ça ou t'es fait qui t'es positif dans année ça? Qui ça ou t'es fait qui t'es bon pour ou qui t'es bon pour pays ou du moins qui t'es bon pour au prochain? Qui soit capable de changer pour capable entamer dernier mois dans année a de façon correcte? Qui donc, c'est conseil ça que m'gai pour nous, journée, jeudi à la. Mais avant de rentrer dans le développement Tikyo, mesdames et messieurs, d'après RNDDH, T Junior bel et bien mouri par yon membre nan groupe Ganglia qui pote nom Chalet. Et T Junior te yon membre influent nan base G9 en famille et allié main tout et participe nan divers massacres, tokou massacre La Saline. Selon RNDDH, yo massacre qui rete pour nous vérifier exactement qui ça qui t'est passé là-dedans, puisque nous connaissons dans ça, G9 en famille et allié, et tout, li pote kokoye et Jimmy Cherizier, t'es toujours yo policier. Qui donc là, G9 prend coup, puisque T Junior, qu'on responsable, prend zam ensemble avec katouche pour lui, et balle renfort dans n'importe moment que li besoin. Donc là, la situation est bel et bien compliquée pour les membres du G9 en famille et alliés Mayoun, Mayetout. Puis devant, nous gagnons un accord de dons qui signé ensemble avec République Chine, Taïwan, mesdames et messieurs, pour ministère santé et population. Eh bien, donc ça, c'est pour capable combattre choléra ensemble avec problème santé que pays d'Haïti lui-même lui a fait face ensemble avec lui. Eh bien, ensemble, on suit la conférence de presse lui-même qui était déroulée côté ministre santé à Dr. Alex Larsen ensemble avec représentant Chine Taïwan Tabay plus détails. On suit ensemble avec. Une fois de plus, nous nous retrouvons ce matin pour marquer un geste symbolique du gouvernement taïwanais envers le peuple haïtien qui se trouve actuellement confronté à une réapparition du choléra. En effet, après avoir célébré en votre présence les 3 ans, les 3 années passées sans choléra, nous avons été tous surpris par sa réapparition dans le pays au 1er octobre 2022, dans un contexte socio-politique et sécuritaire environnemental difficile. Ce don vient en appui aux efforts du gouvernement haïtien dans sa lutte contre le choléra. Monsieur l'ambassadeur, nous nous réjouissons de la promptitude de votre gouvernement dans sa réponse à notre demande.
Aussi, au nom des bénéficiaires et au nom du gouvernement haïtien, nous exprimons toute notre gratitude au gouvernement et au peuple taïwanais pour cette aide. Elle traduit la solidarité coutumière du gouvernement taïwanais envers le peuple haïtien. C'est un don, on peut dire même, c'est un début de don qui actuellement représente 20 millions. 20 millions. C'est, oui, il y a un aide pour le choléra. Au cours de ces 66 dernières années qui ont suivi l'établissement des relations diplomatiques entre Taïwan et Haïti, les relations bilatérales ne cessent de se renforcer avec l'élargissement de coopération fructueuse entre nos deux pays. Le gouvernement de la République de Chine à Taïwan, en raison de son étroite amitié et de sa collaboration mutuelle avec la République d'Haïti, et dans le cadre de la coopération bilatérale, apporte son soutien au projet d'appui à la lutte contre l'épidémie de choléra qui ressurgit de nouveau. Je tiens à réitérer à l'engagement du gouvernement de Taïwan à accompagner Haïti dans la prise en charge des problèmes de santé publique, notamment les urgences, et de la réduction de modalités dans la lutte contre cette épidémie. En plus, j'applaudis la réaction du gouvernement d'Haïti qui a déployé tous ses efforts et a également lancé un appel à l'endroit des partenaires internationaux pour un appui aux populations des zones affectées. Je voudrais profiter de cette occasion de manifester encore une fois notre solidarité avec la population haïtienne. Je voudrais enfin assurer le gouvernement et toute la population haïtienne de l'engagement ferme du gouvernement de la République de Chine de Taïwan à assister Haïti dans ces moments difficiles pour le bien-être de sa population. La coopération bilatérale taïwano-haïtienne est un partenariat axé sur les résultats et qui tient ses promesses, notamment visées dans les secteurs prioritaires du pays qui sont la santé, l'agriculture, l'infrastructure, l'éducation, l'énergie, le développement économique et pour ne citer que cela. Pour terminer, je forme les meilleurs vœux de plus belle performance de l'avenir de notre coopération ainsi que la santé de vous tous ici présents. Vive la coopération taïwano-haïtienne. Et voilà, mesdames et messieurs, encore une fois, Taïwan a essayé d'aider le pays d'Haïti dans la façon que l'Iwe Haïti besoin. D'ailleurs, qui aide nous besoin? À partir de manger, puisque nous avons une insécurité alimentaire. Qui ça nous besoin pour notre pays fournit nous encore qui est plus bon que quelques dons? Dans le moment où on a parlé à la, UNS Guard est arrivé en République Dominicaine. Bateau marine ça qui a gagné pour distribuer médicaments et bails soins. Il a rencontré ensemble avec le président Luis Abinadel. Nous pouvons connaître dans quel moment il a accosté en Haïti. Mesdames et messieurs, c'est bateau UNS Comfort qui a gagné pour accoster en Haïti dans un petit temps qui part trop long. Et bien, mesdames et messieurs, on rentre directement dans le développement Titio. Il y a une confrontation qui fait en Dimitri Erard, Jean la guerre civile, ensemble avec ancien directeur de la police nationale d'Haïti, Léon Charles, sous dossier assassinat président Jovenel Moïse. Nous pas qu'à parler, ça nous pas trop, qui Jean Salimé Mitéye, dans la cour, rentrer ensemble avec sorti, suspect sa yo, dans assassinat président Jovenel Moïse. Jean Abgadé à la, Dimitri Erreur, qui te yon tête calée, pour ses cheveux, gade gros ses cheveux, qui dans tête Dimitri Erreur, mesdames et messieurs, et on dirait, il garde la forme, quand bien même. Yon soldat arrête yon soldat, malgré ou dans prison, faut qu'on a gonjan pour le rete, donc regarde Dimitri Erreur.
Dimitri Erreur, c'était youth dans monde qui était arrivé déjouer complot tentative coup d'état qui t'a fait sous président Jovenel Moïse 7 février 2021 et à partir de là président Jovenel Moïse t'a bail plus responsabilité et t'a fait plus confiance jusqu'à ce que nous arrivions à apprendre que Dimitri Erreur t'a fait partie de monde ça yo qui t'a planifié tentative de coup d'état ça sous président Jovenel Moïse. C'est juste yo bagay qui t'a mal parti qui la cause li t'a viré do bail moun sa yo. Mais est-ce que Dimitri Erreur tout bon vrai t'es dans dossier assassinat président Jovenel Moïse là? Il y a un paquet de doutes qui plane, OK? Il y a un paquet de doutes qui plane sous question si là. Oui ou non, est-ce que Dimitri Erreur t'es participé dans assassinat président Jovenel Moïse vu que nous connaît la recevoir l'ordre qui sortit directement de Jean Laguerre civil qui c'est président qui c'est chef unité sécurité présidentielle. Mesdames et messieurs, et voilà, Jean Laguerre civil. Oh wow, gati tati. Jean Laguerre civil était bien haut. Et puis, Mounsa yo dit que pas manger dans pénitentiaire. Sérieux, Mounsa qui marche dans le pio. Et Mounsa yo, oui, gade Jean Laguerre correct. De série qui assassiné au président. Bon, résumé, bien sûr. On va courir la gueule comme ça jusqu'à présent, les CPJ, beaucoup jeune preuve. Juge Jean Pouko Kadian. Wow. Et là, voilà. Ça c'est Léon Chol, le type là, OK, pas gè personne qui accompagne, li deux mains de pied, li sorti dans confrontation. Pas oublier me dit nous ça dans lettre que Dimitri Erreur t'a écrit ba juge Gary Aurélien, il t'a fait connait que il t'a contacté Jean Laguerre civil qui t'a dit pour le rester tonne. Et là il t'est arrivé dans entre la caille président Jovenel Moïse là, il t'a dit que c'était une opération DEA qui t'a fait, il t'a obligé retourner. Et c'est là ça va croiser Léon Chol, bon place Saint-Pierre, OK, dans rue d'Orgue-Pétionville, dans ancien commissariat qui était en l'air. C'est juste à 2h de l'après-midi que Léon Chol t'a bail signal d'assaut pour capable mener opération ça. Ce sont des paroles que nous tendez de temps en temps, mais faut que nous toujours kebe ça à l'esprit. Donc confrontation ça t'est faite mesdames et messieurs pour capable connait entre trois moun sa yo qui est-ce qui a bail la vérité. Est-ce qu'il y a toujours sous même longueur d'onde ou du moins même parole qui te bail dans rapport de CPJA? Est-ce que parole ça eux même y a continué kebe? Nous kebe au pays dans gauche pendant plus passé 2 années jusqu'à ce que yo assassiné yo président. Je dis à la pays ça lui-même, li a marché sur des œufs. Personne pas connaît qui gens pour yo mettre pied yo dans pays ça pour yo pas victime. Qui gens pour déposer pied yo côté pour yo pas arriver sorti victime côté si là. Qui donc situation lui-même, li vraiment compliqué mesdames et messieurs sur ce plan. Et c'est pour ça, m'a invité nous tande déclaration Michel Soukor, écrivain haïtien, sous ça qui a passé actuellement en le pays d'Haïti et qui ça l'État lui-même lui représente pour pays ya nan moment on a parlé à la. Ça sortit d'abord de qui j'en nous-mêmes nous traiter propre peuple. Parce que pour qui ça, propre peuple nous trouver dans situation d'humiliation ça, c'est parce que la Cali d'abord n'a pas gagné la vie. Il faut d'abord que nous-mêmes, la Kaïnou, nous créions la vie pour lui, de façon à ce que lui pas à fuiter de vos potes Kaïnou, qu'à prendre à coup de pied. C'est ça d'abord qu'on fait. Parce que si nous-mêmes, nous ne traitons pas notre peuple en monde, nous ne pas attendre à ce que l'étranger a traité le monde. C'est d'abord le travail ça qu'on fait. En nous mettant l'autre la Kaïnou. Et puis ensuite, nous prenons compte que depuis que nous respectons le peuple, nous créons les conditions de la vie pour lui. Il y a de l'autre monde à respecter nous. Depuis longtemps, on parle de l'État qui a défendu vraiment l'intérêt haïtien. Et il est tellement contre ça que il est totalement indifférent. Même je l'indifférent à ce peuple haïtien en Haïti même. Donc ce n'est pas étonnant du tout. Si que l'État de guerre, gouvernement qui passe, est soucié de ce peuple haïtien, pas quoi que je ne vous dis, nous tapons qualité de la chose à la fois là. Ce n'est pas étonnant. Mon exemple, côté en mois de septembre, nous avons déjà conditionné la vie de Paris Saint-Germain. Pour le gouvernement, il a monté le prix de gazoline à 148% d'augmentation. Et son crime que lien. Parce que nous, tout le monde connaît que son produit est transversal. Donc ça montre bien que, d'abord, il n'est pas soucié de conditionner la vie de Paris. Ce n'est pas ça qui est intéressant.
Donc, il n'y a pas sous celle de lire ni ici, ni là. Le premier bagage pour les jeunes, c'est pour apprendre à lire. Parce que c'est dans le livre qu'on va le côté sorti, qui va expliquer le côté arrivé, et qui va expliquer pour qu'on ait qui peut aller. Et d'abord, ça va le faire. Dans tout pays, c'est comme ça qu'on bâtit le pays, c'est comme ça qu'on fait le pays, c'est comme ça qu'on fait progrès. Jusqu'à présent, on va faire entrer dans nos pharmacies pour aller dans le PQ. Il y a des PQ là derrière, on peut faire une histoire, une mathématique, une physique. C'est chita pour un côté pour étudier, pour apprendre. C'est d'abord ça. Et je vous dis, nous avons des chances inouïes, nous n'avons pas de livre seulement. Nous avons tout un médiathèque qui est capable d'apprendre, nous connaître. Donc, intéressez-nous à la connaissance. Pour être capable de comprendre tête nous, comprendre l'histoire, côté de sortie, côté de nous, et qui va nous faire. Et d'abord, ça va nous faire. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de Michel Soukor, qui est un écrivain haïtien. N'a pas songé, qualité tac Michel Soukor, te bay Ariel Henry, elle te dit comme ça, Ariel Henry se reste avec les États-Unis, et toujours et encore, Ariel Henry continue à prouver que lui son reste avec les États-Unis. Concernant dossier visa qui coupé ou révoqué, André Michel, Marjorie Michel et Nenel Kassi, trois moun sa yo genye visa yo qui t'a révoqué. Mais selon information, selon ça André Michel lui-même lui racontait, dans moment là, eh bien passeport dans ambassade là pour capable renouveler. Si on révoqué visa, si on pas renouvelé visa, pardon. OK, li gagné pour le faire peuple là comme ça qui donc suspend circuler fausse information. C'est ça André Michel lui-même, li arrivé mandé mesdames et messieurs. Regardez ça qui passe dans pays d'Haïti, ou a posé tête aux questions, est-ce que tête nèg ça ou te droite? Est-ce que tête peuple haïtien te droite? Là ou te campé toute journée si ba voye Jovenel Moïse allé n'a mouri, campé derrière barricade nous, c'est lui-même qui pour avenir nous. Je jodi à là, garde qui gens l'univers, la nature lui-même, lui prend nous au mot, côté barricade nous, c'est lui-même qui a venu nous, tout bon vrai. C'est barricade nous qui a venu nous. Nous ne sommes pas derrière barricade dans la rue là. Mais barricade éducation, on est toujours campé là. Barricade la santé, là. Barricade la vie chère, barricade grand goût, barricade misère et sécurité, il est toujours campé qui que la gadache teye nous. Donc je jodi à là, n'a gardé qui j'en la nature lui-même, li arrivé prend nous au mot. Et voilà. La police nationale d'Haïti, dans le cadre de contrôle de routine effectué à Delma 33, la brigade de lutte contre le vol de véhicules, BLVV, pardon, une entité de la DCPJ, a procédé le mardi 29 novembre 2022 à l'interpellation des nommés Jérôme Joshua Isaac, Valéus Pierre Venel, qui sont déportés au Canada, et Petit Peter Clivens pour détention illégale d'armes à feu. Au cours de cette opération, deux véhicules suspects que circulaient, ces individus ont été confisqués et sur lesquels la DCPJ est en train d'approfondir son enquête. Quels sont les matériels saisis? Une Toyota Prado de couleur blanche immatriculée AAA-56123. Une Toyota Pick-up Hilux de couleur blanche immatriculée AA-58078, un pistolet de marque Glock de calibre 40 de série TCZ-768 et trois chargeurs bien garnis. Mesdames et messieurs, c'est ça que la police nationale d'Haïti lui-même y arrive joindre sous trois individus. Et d'après rumeur qui tape circulé, yo te arrivé mette en bas corde ti Yuri. Et cette fois-ci, si ti Yuri qui te reprend, garantis nous que sorti dans prison, pas facile pour lui du tout. Ça, je vous le jure. Sorti dans prison pour ti Yuri, pas pio bagay qui facile du tout parce que ti Yuri a pris entre pieds toute longueur dans question politique en Haïti, mais il pas connu qui ça qui politique en Haïti. Éphéméride nous pour jeudi 30 novembre 2022. En 1894, incendie détruisant le quartier de Bel Air à Port-au-Prince. Le feu éclata dans une maison située entre les rues du Calvaire et l'Abreuvoir, habitée par une certaine Méline Augustin, et ne tarda pas à se propager dans tout le quartier. La proximité des maisons et le matériel hautement flammable aidant, ce fut alors le début du déclin de Bel Air.
en 1894. Le 30 novembre 1908, démission de Louis Borloo du Conseil des secrétaires d'État. Quoique le seul à remettre sa démission, cet acte signala le début de la fin du gouvernement d'Honoré Alexis, affrontant une insurrection venant du Sud et à la tête de laquelle se trouve Antoine Simon. Tout président était rebelle. Tout président pays d'Haïti était rebelle. En tout cas, le reste du cabinet resta en place jusqu'au départ d'Alexis et les ministres sans titulaire jusqu'au 8 décembre quand le général Antoine Simon fut proclamé chef du pouvoir exécutif et appela à ses côtés 6 conseillers avec la fonction de ministre. Et voilà. Nous comptons tout ça qui t'est passé dans le pays d'Haïti dans le mois de novembre, sorti 1er, rivé 30 novembre, mesdames et messieurs. Et c'est là que nous mettons bout ensemble avec rubrique aujourd'hui. Merci d'être que vous like, commentez, partagez. Merci d'être que vous invitez vos familles ou vos amis. Abonnez à Info 5 pour être capable de bonnes informations. Nous vous rendez-vous pour la prochaine sortie rubrique. Restez bénis et protégez-vous. Bye bye, à la prochaine.